Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Un tournant, je sais pas, mais après c'est sûr qu'ils sont quand même importants. Mais il va falloir déjà les prendre dans l'ordre. On a un match dimanche à gagner. Et après, il y a ce match de Clermont aussi qui a un goût particulier pour l'équipe. Donc, c'est deux matchs importants. Après, je sais pas si c'est vraiment un tournant dans la saison. Ouais, je me sens bien. Je suis revenu à 100%. Pour moi, c'est... j'ai jamais été aussi bien depuis la saison passée, donc, je suis à 100% et aujourd'hui, que ce soit pour moi ou pour mes proches, j'aimerais aussi qu'on arrête de parler de tous ces pépins et tout ce qui s'est passé auparavant, donc, je me sens très très bien et voilà, maintenant, je vais tout faire pour que ça continue. Bah, ça a été compliqué, je vais pas mentir, mais après ça fait partie de la vie d'un footballeur, hein, faut pas se cacher les choses. Ça a été compliqué, oui. C'est plus qu'il y a eu une accumulation de petits pépins après qui ont fait en sorte que ça a été compliqué. Mais sinon, non, ça va, ça s'est relativement bien passé. Aujourd'hui, je suis sur le terrain. Il y a un an, j'étais pas. Et aujourd'hui, je pensais qu'à ces moments-là. Donc, je profite au maximum et j'essaie de prendre le plus de plaisir possible. Non. Parce que quand je suis arrivé au club, je pense qu'on m'attendait pas forcément à ce poste d'entrée. Et pour moi, elle a démarré quand je suis arrivé, parce que j'ai été impliqué dans le projet et j'ai été impliqué moi-même. C'est plus une sensation que ça redémarre, que ça repart et ça repart bien. Donc c'est ce que j'attendais. C'est ce genre de choses auxquelles on pense quand on est en convalescence. On attend juste le moment où notre travail va payer. Et aujourd'hui, je pense que je suis en plein dedans. Donc, comme je l'ai dit, il faut que je continue de travailler pour que ça continue le plus longtemps possible. Repris trop tôt, peut-être. Après, physiquement, avant de reprendre, après les croisés, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de tests. Il y a des tests avant de pouvoir reprendre l'entraînement et j'avais tout validé, que ça soit test de saut ou même musculairement, j'étais bien équilibré. Donc, après, c'est sûr que reprendre l'entraînement et reprendre une charge de travail en Ligue 1 surtout, après une longue convalescence, il faut que le corps se réadapte. Donc, peut-être que c'était trop tôt, ça on le saura jamais, mais... Oui, après, c'est sûr qu'il y a eu des pépins musculaires, mais c'est aussi quelque chose qui arrive beaup après de ce genre de blessure. Déjà, avec le club, ils m'ont accompagné depuis le début. Ils ont été très présents aussi pendant ma blessure. Et grâce à eux, j'ai relevé la tête Ça a été, je dirais, une sorte de récompense par rapport au travail que j'ai fourni pour pouvoir revenir à ce niveau. Et après, les discussions, elles sont faites... C'est du long terme, quoi. Enfin, ça s'est fait naturellement, ça n'a pas été quelque chose de forcé ou quoi que ce soit. Et après, moi, quand j'ai eu cette opportunité, comme je l'ai dit, avec l'aide que j'ai eue du club... Forcément, c'était normal pour moi de continuer l'aventure ici. Exactement, c'est ça, retrouver le plaisir d'enchaîner les matchs parce que c'est ce qui faisait ma force et c'est ce que j'aimais avant d'arriver ici. Donc, c'est vraiment la chose que j'ai envie, d'enchaîner les matchs et d'avoir des bons résultats collectivement. La concurrence, c'est comme dans tout club, dans toute équipe et à chaque poste. Hein. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Après, il y a des choses que nous, joueurs, on ne peut pas maîtriser. Donc, il faut savoir l'accepter et travailler chacun de notre côté pour pouvoir se tirer la bourre et pour pouvoir être le plus performant possible,
que ça soit Isiaga, Maxime ou moi qui jouons, il faut qu'on soit les meilleurs possibles quand on a la chance de jouer. Ben, on en a beaucoup parlé après le match qui a été reporté. Mais c'est vrai que depuis, on n'en a pas tant parlé que ça parce que ben, y a un match avant qui arrive, donc forcément, il faut se concentrer sur celui-ci avant. Et après, quand on aura la tête à Clermont, je pense que ouais, on va falloir... Il va falloir être focus sur ce match parce que bah, il a un goût d'inachevé et pour nous, ça va être très important de le gagner. Bah, ça nous a embêté un petit peu de perdre les points qu'on méritait. Après, je pense pas que ça a eu un impact derrière sur les matchs parce que c'était des autres matchs. On attendait aussi la décision pendant un certain temps, mais non, pour moi, ça n'a pas impacté le reste des matchs. Bah c'est sûr que quand j'ai eu l'opportunité de jouer, je voulais la saisir parce que c'est quelque chose que j'attendais. Donc pour moi, il fallait que je sois prêt à ce moment-là. Après, l'impression que les planètes s'alignent un petit peu, ouais, parce que avec les pépins et les blessures, même j'avais plein de petites galères dans ma vie, des trucs bêtes, mais qui faisaient que s'accumuler. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, on se demande ce qui nous arrive. Et c'est vrai qu'en ce moment, et depuis un certain temps, bah, tout commence à aller mieux, et que ça soit au football ou dans ma vie. Donc forcément, ouais, je suis content et l'opportunité que j'ai eue, bah, j'ai su la saisir. Mais comme je l'ai dit maintenant, il faut continuer. C'est que le début. Bah, comment je l'ai vécu? Déjà, je ne m'attendais pas à rentrer, enfin en tout cas aussi tôt dans le match. Et je savais que pour... pouvoir rapidement rentrer dans le match, il fallait que je remporte mes duels. Donc j'ai remporté mes deux premiers, ensuite je me suis fait déborder. Après j'ai regagné encore quelques duels, donc ça met en confiance, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. Je pense que c'est un des matchs les plus compliqués pour rentrer comme ça dans la saison. Mais par rapport à l'entrée en elle-même, je trouve que j'ai fait un assez bon match après dans l'ensemble. Mais c'était le PSG.